En termes d'intrants, même si l'entreprise envisage de donner tous les marchés d'approvisionnement au niveau local, il faudrait qu'il y ait des compétences nationales pour pouvoir tirer profit de cela. Si une compagnie a besoin d'un système de transport efficace et qu'au niveau national, vous n'en avez pas, malheureusement, elle sera obligée d'aller importer une autre compagnie qui va aller se charger de ce secteur-là. C'est valable pour tous les autres intrants, y compris la fourniture de biens physiques ou bien la fourniture de services tels que l'aspect financier, comptabilité, la recherche, etc. Donc, c'est souvent des opportunités comme ça que nos États ou nos pays ratent parce qu'effectivement, ils n'ont pas développé les ressources humaines nécessaires. Ils n'ont pas développé les ressources matérielles nécessaires pour pouvoir tirer profit. Donc, c'est fondamentalement ça les lacunes et les défis actuels de notre pays. C'est d'abord le manque de capacités humaines et compétences éducatives. Les formations requises pour pouvoir tirer profit de cette exploitation-là n'existent presque pas dans notre curriculum scolaire ou universitaire. Ce qui fait que les compagnies sont obligées d'importer même leurs ressources humaines. La formation professionnelle et technique est souvent faible dans beaucoup de pays. Et ensuite, là où elle existe, elle n'a pas ce niveau d'accréditation qui lui permet de correspondre aux exigences des entreprises multinationales. Alors, de plus en plus, c'est un secteur qui requiert une technologie de pointe. Malheureusement, si les diplômés ou les qualifiés de nos pays n'ont pas, bien sûr, les connaissances requises, malheureusement, elles ne pourront pas en tirer profit. L'autre lacune ou déficit fondamental, c'est les infrastructures qui nous permettent aussi de tirer profit de ces entreprises-là, telles que les routes, les chemins de fer. Vous verrez que dans beaucoup de pays, c'est à la compagnie qu'on exige même la construction de ces infrastructures, ce qui est à la limite regrettable, parce que nous, on aurait pu, pour faciliter tout ce travail-là, dérouler ces projets-là. De sorte que si la compagnie vient, nous, on pourrait peut-être lui vendre tout ce qui est service relatif au télécom, à l'électricité, à l'eau, etc. Donc, malheureusement, ce déficit d'infrastructure diminue la rentabilité et la compétitivité de beaucoup de pays. Et on met beaucoup de temps à développer des codes, un cadre juridique, institutionnel et réglementaire, alors qu'on ignore beaucoup plus les autres secteurs qui sont plus importants du secteur privé, c'est-à-dire les investissements qui leur permettent d'avoir la technologie nécessaire. Notre troisième lacune, c'est une base industrielle faible. On n'a pas une capacité d'approvisionnement local assez élevée. On ne peut pas garantir à la compagnie pour une durée relativement longue de 5 à 10 ans l'approvisionnement de tous les produits dont elle aurait pu avoir besoin. Donc ça fausse carrément les plans d'approvisionnement et malheureusement la compagnie sera obligée de se retourner vers d'autres horizons. De la même sorte qu'en termes de compétences, disons technologiques, techniques et scientifiques, il y a souvent un déficit qui existe dans nos États respectifs. Un quatrième défi fondamental, c'est la gouvernance et l'environnement économique. Un environnement propice à la création d'entreprises locales reste déficitaire chez nous. Vous verrez que les PME et les PMI trouvent beaucoup de contraintes à pouvoir s'affirmer dans nos pays quand elles doivent faire face aussi à une compétition ou une concurrence avec d'autres entités. Les mécanismes de transparence dans la gestion des ressources publiques, de l'attribution des permis jusqu'à la fermeture, reste encore déficitaire. Il y a souvent des risques de corruption ou de concussion dans ce secteur-là qui ont été dénoncés par-ci, par-là, qui ne favorisent pas aujourd'hui une bonne gouvernance du secteur. L'accès au financement à long terme constitue aussi un défi fondamental du secteur privé national. Notre secteur privé national a des difficultés à mobiliser un financement à travers les banques locales pour pouvoir au moins garantir aux compagnies un marché d'approvisionnement assez stable pour une longue durée. Donc,
L'autre limite, c'est effectivement les accords commerciaux internationaux ou les traités bilatéraux d'investissement qui généralement ne favorisent pas, bien sûr, les États qui accueillent les projets miniers. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de stratégies que nos États, sur la base des problèmes identifiés, des lacunes et des défis que nous venons d'énoncer, si ces stratégies sont adaptées ou adoptées par nos États, je crois que cela pourrait réduire un peu le risque. C'est quoi? C'est d'abord, quand vous êtes dans un système où les ressources sont limitées, il faudrait naturellement développer des stratégies qui vous permettront de rendre efficace votre intervention, de sorte que vous puissiez tirer davantage de bénéfices. Et en ce sens, je crois que le contenu local, ces dernières années, a fait objet d'une attention particulière par plusieurs chercheurs, plusieurs intervenants de la gouvernance des industries extractives. Et ils sont, en tout cas, beaucoup d'entre eux se sont accordés que le contenu local permet de promouvoir ne serait-ce que cette industrialisation et la fabrication au niveau local, qui ont été identifiés tout à l'heure comme étant, disons, des approches fondamentales pour tirer davantage de profit. Alors, quand on parle de contenu local, il faut d'abord une politique industrielle qui doit être durable, compétitive, mais qui puisse stimuler l'emploi, l'entrepreneuriat, la diversification, le transfert de technologie. En résumé, c'est quoi? C'est que le contenu local est un mécanisme qui permet aux États de pouvoir maximiser leurs profits à travers l'emploi local, c'est-à-dire que les compagnies doivent favoriser les emplois locaux à chaque fois qu'il y a possibilité de trouver l'expertise au niveau local. En termes d'approvisionnement, les compagnies doivent s'approvisionner au niveau local prioritairement, de sorte que cela puisse booster au moins le secteur privé national. Et un transfert de technologie et de connaissances est nécessaire quand on identifie aujourd'hui la chaîne de valeur du contenu local. Ce sont ces trois aspects qu'on peut notamment citer. Donc, le contenu local reste une approche fondamentale ou une stratégie fondamentale pour que nos États puissent tirer davantage de profit. Alors, on va voir de façon un peu plus détaillée, c'est quoi ce contenu local. Alors, il couvre de nombreuses approches. C'est l'achat des biens et services, c'est-à-dire l'approvisionnement local, c'est l'emploi local, et c'est ce qu'on appelle l'intégration de ce secteur à d'autres secteurs, c'est-à-dire les avantages de l'exploitation minière dans d'autres secteurs de l'économie. C'est le traitement local même, c'est-à-dire l'industrialisation. C'est l'augmentation de la capacité locale des participants en termes de production d'intrants dans la chaîne de valeur. Chaque pays a naturellement ses défis et des conditions qui sont différentes en fonction de son arsenal juridique qui encadre ce secteur-là, mais au moins, ils se sont accordés, les penseurs se sont accordés, ces éléments-là constituent des portes ouvertes pour pouvoir maximiser le profit. Il n'y a pas naturellement une politique ou une stratégie standard qui peut être valable pour chaque pays. Chaque pays, chaque État, en fonction de son contexte local, essaie d'emprunter les voies que lui semblent beaucoup plus efficaces et efficientes pour pouvoir tirer profit. Vous verrez que dans d'autres pays, par exemple, l'industrialisation peut ne pas être réaliste pour le moment. Alors, il faut miser sur autres aspects de la chaîne de valeur du contenu local. Alors, pour créer du contenu local, il y a bien sûr beaucoup de cas d'école et des institutions au niveau mondial qui appuient beaucoup de gouvernements à élaborer leur stratégie ou leur politique ou leur loi sur le contenu local. Et je crois que le Fonds Forum Intergouvernemental de gouvernance des ressources naturelles en est un, le IGF. Donc, ils appuient beaucoup de gouvernements dans l'élaboration de leur politique de contenu local. Donc, ces institutions se sont accordées au moins sur un certain nombre de procédures ou de processus. C'est d'abord, il faut comprendre le plan de développement national et le rôle de l'industrie dans ce plan de développement. Qu'est-ce que l'industrie extractive
ou le secteur minier représente dans un plan de développement pour un pays X. Si on parvient à apporter la réponse à cela, et cela facilitera naturellement à l'élaboration des politiques de contenu local. Ensuite, c'est de faire le point sur la situation actuelle, c'est-à-dire quelles sont les opportunités disponibles, quelles sont les compétences, les biens, les infrastructures nécessaires qu'on peut offrir, quelles sont les cibles qui sont possibles, quels sont les manquements que nous avons, quelles autres initiatives on peut prendre pour booster le contenu local, quel effet de levier le gouvernement pourrait-il avoir sur les investisseurs, quel type de politique de contenu local paraît réalisable dans les circonstances que nous venons d'énoncer ici. Est-ce que les politiques de contenu local sont le bon outil pour atteindre les objectifs politiques? Donc, c'est un ensemble de questions comme ça auxquelles il faut apporter des réponses pour pouvoir au moins développer une bonne politique, une bonne stratégie de contenu local. Si vous faites cet inventaire-là et qu'il vous révèle que les capacités et les compétences nationales sont faibles, s'il vous révèle que la capacité interne est faible, et s'il vous révèle que la rentabilité de la ressource est plus ou moins discutable, alors cela vous permettra de vous concentrer à court terme sur d'autres domaines, par exemple, tels que les infrastructures, tels que l'éducation, etc., de sorte que vous puissiez opposer à ces compagnies-là des compétences qui sont là. Alors, le contenu local peut être planifié à moyen terme lorsque les conditions sont plus prometteuses. C'est de booster certains secteurs comme l'artisanat, de sorte qu'on puisse assurer un bon approvisionnement local. Et c'est de voir aussi d'autres secteurs qui doivent, d'une forme ou d'une autre, pouvoir intervenir dans la chaîne de valeur des industries extractives et essayer de booster ces secteurs-là pour qu'elles puissent au moins apporter une valeur ajoutée. Les premières étapes, lorsque vous avez des liens qui sont plus ou moins faibles, peuvent être axées sur des mesures visant à stimuler l'emploi direct, par exemple, dans le secteur. C'est de créer des formations à courte durée sur certains métiers de mécanique, de conduite, de tracteurs et de matériel, c'est le forage, etc. Ça, c'est des métiers dont la durée de formation est relativement courte pour permettre au moins de tirer profit de cette exploitation. Vous verrez que, par exemple, l'exploration qui dure 3 à 5 ans, voire 10 ans, entre-temps, l'État devrait se concentrer sur la formation des ressources humaines de sorte qu'elle puisse capter toutes les possibilités de métiers qui vont exister dans ce secteur-là. Si vous avez un peu une industrie qui paraît forte, mais là, vous développez des mécanismes qui vont obliger les compagnies à faire leurs achats au niveau local. C'est de favoriser l'approvisionnement local de sorte que cette valeur ajoutée-là ne soit pas transférée vers d'autres pays. Généralement, ce sont ces aspects-là qui sont assez nécessaires pour pouvoir au moins avoir une bonne stratégie de contenu local. Donc, en résumé, sur toute la chaîne d'extraction, il y a beaucoup d'opportunités à tirer. C'est des opportunités d'emploi, c'est des opportunités d'approvisionnement local, c'est des opportunités de transfert de technologie qui peuvent booster le développement local des pays. Parce que nos pays, généralement, ont une contribution assez légère dans le capital de ces compagnies-là, ce qui fait que ces compagnies tirent beaucoup plus de profits. Nos régimes fiscaux ne sont pas assez sophistiqués pour pouvoir contourner toute la fraude fiscale qui peut être montée par les entreprises, ce qui fait que de ce point de vue-là aussi, on doit s'attendre à moins de revenus. Ce qui fait que finalement, c'est dans le contenu local qui peut au moins favoriser l'approvisionnement local, qui peut favoriser les emplois locaux, que nous pourrons tirer davantage de profit. Mais cela ne passe que par l'élaboration d'une très bonne politique de contenu local. Il n'y a pas de politique standard. Il faut éviter le copier-coller. Ce qui marche au Ghana peut ne pas marcher en Guinée. Ce qui marche au Canada peut ne pas marcher en France. Donc, il faudrait éviter
le copier-coller, c'est d'analyser le contexte local, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui nous manque et comment combler ce manque-là de sorte que nous puissions tirer profit et établir une sorte de gouvernance d'abord politique, ensuite une gouvernance institutionnelle qui permettront au moins d'encadrer tous ces efforts-là, que ce soit au niveau national, comme au niveau sous-régional ou continental. Et de plus en plus, on va vers des efforts combinés des États pour pouvoir tirer davantage de profit parce que nos États n'ont pas souvent les capacités de négociation requises pour pouvoir au moins faire face à certaines compagnies. Donc, voici les quelques éléments que nous voudrions échanger avec vous sur ce module-là. Encore une fois, il y a beaucoup de références, de lectures qui vous permettront d'approfondir les connaissances et les informations sur ce que nous venons de partager. Et en termes de lecture, allez consulter les lois nationales sur le secteur. Beaucoup de pays ont désormais des lois ou des politiques sur le contenu local. Il faut les lire. Il y a des politiques industrielles dans plusieurs pays. Il faut les lire pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans et ça vous donnera un davantage d'informations. Mais les plans de développement nationaux, les plans de stratégie de développement au niveau national constituent d'abord le point de départ. Ça nous permet de savoir jusqu'où ce secteur-là constitue un levier de développement pour l'État concerné. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, des contributions, nous restons à votre entière disposition. C'est un espace d'échange. Il faudrait que chacun partage les expériences de son pays pour qu'ensemble nous puissions tirer profit de ces différents modules que nous allons élaborer avec vous, nous allons parcourir avec vous dans les prochains jours. Je vous remercie.